plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la soirée du compte professionnel du Congrès maghrébin au Québec, organisée avec les ressources humaines de la Banque nationale. Ça fait plaisir de vous voir en si grand nombre. Alors, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Souhaïd Wared. Je suis bénévole au sein du Congrès maghrébin du Québec. Mais je vais juste saisir l'occasion de parler brièvement du CMQ et le pôle professionnel, parce que sérieusement, je tiens à féliciter l'ensemble des bénévoles du pôle professionnel. On a eu l'occasion de voir Souhaïd, mais avec elle, il y a toute une équipe qui travaille. Je tiens chaleureusement à les saluer, parce que c'est des bénévoles qui travaillent, au fait, qui eux aussi, ils travaillent, mais au fait, ils veulent donner aussi à la communauté, ils veulent partager leur expérience. Ce mandat de 2 ans, on travaille par des pôles. Donc aujourd'hui, c'est le pôle professionnel, mais on a d'autres pôles qui travaillent en parallèle. Et le but, comme il l'a dit Souhaïd, c'est que c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des demandes, n'hésitez pas à nous envoyer des propositions. Si jamais vous pensez qu'il y a un secteur d'activité qui peut aider les gens de la communauté qui sont à la recherche de l'emploi, ça serait intéressant d'entamer les discussions et de s'ouvrir et partager ses expériences. Je vais finir par rapport à ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est le gala annuel. Et cette année, ça va se dérouler au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et le thème, c'est de l'Andalousie au Québec, harmonie, diversité et inclusion. Et on a lancé un concours au niveau de toute la province. Donc, en fait, le message que je vous envoie aujourd'hui, c'est qu'encouragez les gens que vous connaissez qui s'illustrent au niveau de la province du Québec. Il y a 5 catégories, art et culture, affaires, jeune espoir, engagement social et communautaire, et j'ai oublié une catégorie. Donc, si je la trouve, je vais vous le dire. Mais allez sur le site web, il y a toutes les catégories ainsi que le descriptif pour chaque catégorie. Donc, je vous invite, si vous connaissez des gens dans votre domaine ou bien des gens qui s'illustrent dans un de ces catégories, je vous encourage vraiment à aller les encourager à appliquer le plus tôt possible. Il y a un jury indépendant. Ce n'est pas le CMQ qui choisit, c'est un jury indépendant composé par 5 merveilleuses femmes qui vont choisir le 31 avril les candidats, les lauréats qu'on va présenter la soirée du gala. Et si vous voulez assister, il reste encore des places pour le 16 mai. Donc encore une fois, merci pour votre présence. Lorsque vous créez un profil sur le site carrière de la Banque nationale, dès que votre profil est créé, il y a comme un historique qui commence à s'enregistrer. Chaque poste pour lequel vous appliquez, il paraît sur votre profil. Donc, il n'est pas du tout nécessaire d'appliquer pour 387 postes. Je donne ce chiffre parce que je l'ai vu. Il y a des gens qui appliquent pour des postes parce qu'ils pensent que c'est une façon pour démontrer leur intérêt pour la Banque nationale. C'est vraiment une erreur à faire. Donc, choisissez, sélectionnez les postes pour lesquels vous avez le profil, parce que lorsqu'on voit qu'une personne applique pour différents postes, je donne un exemple comme ça. Elle a un doctorat, elle applique pour un poste à la caisse, comme caissière, puis elle applique pour un poste de directeur de succursale. Et il y a quand même des questions qu'on commence à se poser. Qu'est-ce que veut la personne exactement? Donc, ce n'est pas du tout une bonne pratique d'appliquer pour tous les postes qui existent. Choisissez vos postes, regardez les descriptions de postes. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler ou quelque chose comme ça. Renseignez-vous sur Internet pour voir les responsabilités du poste, puis appliquez pour ce qui vous intéresse, puis ce que vous pouvez faire surtout. Le parcours professionnel. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes en entrevue téléphonique, on ne va jamais vous appeler pour faire l'entrevue téléphonique tout de suite. On va demander un rendez-vous dans les prochains temps. Donc, vous avez le temps de vous préparer. Regardez votre CV, parce que c'est des questions qu'on pose. On va vous poser des questions par rapport à votre parcours, les postes que vous avez eus, qu'est-ce que vous avez fait dans cet emploi et pourquoi vous avez quitté. Donc, ayez ces réponses en main. Les raisons de départ, c'est très important pour nous. Je vais rester toujours dans le poste de conseiller en finances personnelles parce que j'ai ça en tête. On va demander, parce que c'est un poste qui est quand même de la force de vente, c'est un poste avec des objectifs de vente, vous devez gérer un portefeuille client. Donc, les questions aussi qu'on va poser sont relatives à votre expérience au niveau de développement des affaires, à votre expérience au niveau de l'atteinte des objectifs. Est-ce que vous avez déjà eu un emploi où il y avait de la vente? Donc, c'est sûr que nous, pour ce type de poste-là, en succursale, on va privilégier les gens qui ont déjà de l'expérience avec de la vente par objectif. Les objectifs sont sévères. Tout à l'heure, les personnes qui occupent ce type de poste-là vont vous l'expliquer. C'est des objectifs sévères. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience en vente avec des objectifs à atteindre, ça va être très difficile au début. Le gestionnaire, c'est lui qui sait vraiment ce qu'il a de besoin. Donc, il va autant aller chercher
une personne avec toutes ses compétences techniques, mais encore plus important, c'est ses compétences humaines. Donc, on va travailler en équipe. C'est très, très rare à la banque où est-ce qu'on a des postes où est-ce qu'il n'y a pas de travail d'équipe. Donc, la collaboration est très importante. Puis, le gestionnaire, lui, va aller chercher quelqu'un qui va compléter son équipe. Ce que ça veut dire, les entrevues comportementales, c'est qu'on va vous poser des questions afin de savoir comment vous avez réagi dans telle ou telle situation en milieu professionnel. Par exemple, donnez-nous un exemple d'une situation où est-ce que vous avez donné un excellent service à la clientèle. Eh bien, pensez à des questions de ce type-là, parce que c'est ce genre de questions-là qu'on va vous poser. On peut aussi vous demander, j'ai une question que je pose presque toujours en entrevue, quelle est votre définition du mot « rigueur » ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous « rigueur » ? Puis ensuite, je vais vous demander, est-ce que vous pensez que vous êtes une personne rigoureuse ? Puis donnez-moi un exemple qui va me démontrer ça. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous, vous pensez. Donc, c'est important ça, d'avoir ça en tête. Ce qu'on veut, c'est mettre la bonne personne sur la bonne chaise. L'équité entre diplôme et expérience. Oui. Oui, parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de diplômes, mais peu d'expérience. On prend lui. Mais je pense que c'est culturel aussi. Moi, je viens du Maroc. Moi, c'est l'idée de travailler pendant que j'étudiais, ça n'existait même pas. C'était études, études, puis après ça, on travaille. Mais ici, c'est une autre culture. Donc, je ne sais pas s'il y a possibilité pour vous d'aller chercher un petit peu d'expérience et tout ça. Ça pourrait aider avant d'intégrer la banque. Il y a des gens qui ont fait ça, que je connais, qui ont décidé d'aller dans d'autres secteurs, chercher de l'expérience pour le poste qu'ils ciblent à la banque. Mm-hmm. Dès qu'ils ont réussi ça, ben, ils commencent à appliquer. Merci beaucoup, Julie et Nawal. Merci pour la présentation. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est aussi intéressante que la première partie. Je vous présente Najib Rani, qui est directeur de succursale à Pointe-aux-Trembles. Ensuite, nous avons Narima Zerouk, qui est directrice de projet au niveau des TI. Ensuite, nous avons Bouchra Al-Ashraoui, qui est conseillère en finances personnelles. Donc, elle travaille en succursale. C'est un des postes que Nawal parlait tantôt. Et le dernier, et non le moindre, est un de mes collègues au niveau du CMQ, étant donné qu'il est aussi bénévole au sein du CMQ, Mohamed Wakek, qui est planificateur financier en succursale ici au centre-ville. Un employé qui est motivé au travail puis qui est heureux va donner un excellent service à la clientèle. Donc, l'autre axe, c'est l'axe client. Donc, d'avoir, de servir les clients de façon proactive, de façon accessible, puis de façon simple. On travaille sur le banking, sur des comment élaborer un bureau de crédit, commencer par une carte de crédit. Quand on donne un chèque ici, il faut faire attention, il n'y a pas de sanctions. Comme moi, je suis marocaine d'origine, tu donnes un chèque sans provision, c'est vraiment grave comme la sanction qu'on peut avoir ici. On peut donner des chèques NSF, mais on essaie d'expliquer aux clients c'est quoi l'impact. Des chèques NSF, ça nuit au bureau de crédit, ça peut fermer des comptes, etc. Son CV, il parlait pour lui-même. Il était tellement bon, puis c'est exactement ce qu'il cherchait. Mais le jour de l'entrevue, c'était le CV, puis lui, c'était deux personnes différentes. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas se vendre. Pour lui, dans sa tête, c'était évident. Oui, il avait ses connaissances, mais il n'avait pas cette compétence d'expliquer, de vendre, de se vendre. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que vous savez, il faut vous vendre, et c'est vrai. Parce qu'en entrevue, il était un peu mou, il était pas. Donc, c'est important de vraiment travailler là-dessus, parce que c'est votre image, votre compétence qui va sortir à travers vos mots, votre assurance, votre façon d'être en face de la personne qui va vous interroger, parce qu'il faut garder en tête que vous n'êtes pas le seul. Pratiquer les entrevues, ça se pratique. Je me rappelle, j'écrivais les cas, ce qu'on a parlé de situation, j'écrivais la situation, c'est pas que je la prends par cœur, mais je me l'approprie. Il faut s'approprier les choses, comme ça vous allez donner l'authenticité devant le recruteur. Et sachez comme quoi, dans l'entrevue, il faut se démarquer. Et se démarquer, peut-être il y a quelqu'un qui a le même diplôme, les mêmes choses, mais il faut se démarquer et dans l'entrevue, c'est l'occasion. Que ce soit au téléphone, avoir la confiance là-dessus et que ce soit devant la personne. Alors, moi, je suis bénévole au sein du CMQ et je travaille dans le pôle professionnel. Et l'activité qu'on a organisée aujourd'hui avec les ressources humaines de la Banque nationale, j'ai été impliquée justement avec l'équipe du pôle professionnel pour la faire. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'amener des conférenciers de ressources humaines, des experts qui voient des dossiers à tous les jours pour donner des conseils. Ce qu'on voulait, c'est donner des outils, donner de l'information intéressante à ces gens-là pour qu'ils
puissent réussir mieux leur recherche d'emploi. Parce qu'on sait souvent, les gens, quand ils sont en recherche d'emploi, ça peut être une tâche très ardue, ça peut être difficile. Donc, d'avoir des conseils vraiment concrets, de leur donner l'occasion de rencontrer des gens experts dans le domaine, ça peut vraiment faire la différence. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a amené des personnes maghrébines qui ont passé par le même parcours que les participants d'aujourd'hui pour vraiment donner des exemples concrets, des belles réussites, comme quoi, oui, ça peut être possible. Alors, mes impressions par rapport à cette soirée organisée par le CMQ. Tout d'abord, j'aimerais bien les remercier parce que quand même, le fait de savoir qu'il y a un esprit communautariste au Canada, ça nous réconforte en tant qu'étrangers. Et en même temps, on se dit, voilà, on peut compter sur d'autres gens. Et justement, le but de cette soirée, c'était pour nous expliquer comment intégrer le marché québécois, comment pouvoir postuler. Ils ont vraiment répondu à nos questions et ça nous a quand même rassuré qu'en quoi on a des chances. Je remercie vraiment comme le président du CMQ. Qui a toujours pu comme inviter et faire inviter des hauts calibres, des personnes de vraiment de valeur. Et vraiment, comme je suis comme employé de la Banque nationale, mais j'étais étonné aussi de la qualité vraiment de tout ce qui a été dit par des invités et par aussi des personnes de ressources humaines. Donc, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui ce soir. Je suis représentante de la Jeune Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Puis j'ai beaucoup aimé, mon nom c'est Sourour Mamouri, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. J'ai beaucoup aimé sa soirée parce que de un, ça nous élucide tout ce que le recrutement sur Internet, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, comment essayer de passer en entrevue face à face, quelles sont les erreurs à ne pas commettre.